Cher élève, bonjour. Je m'appelle Valentina Josano. Je suis professeure de français et je suis enchantée de te retrouver devant l'écran pour une nouvelle leçon vidéo. Cette séquence est consacrée au sujet « À chacun son métier ». Regarde l'image. Tu vois ingénieur, médecin, cuisinier. Prononce correctement le groupe de lettres IN. Rappelle-toi, IN suivi d'une consonne se prononce 1. Exemple, intéressant, incorrect. IN à la fin du mot se prononce également 1. Sapin, lapin. IN suivi d'une voyelle ou de la consonne N, se prononce IN. Exemple, inactif, innovant. Écoute et lis correctement. Mon cousin est médecin. Il pratique la médecine. Ma cousine est cuisinière. Mon voisin soigne le jardin dès le matin. Il est jardinier. Le médecin, la cuisinière, le jardinier, ce sont des métiers. Connais-tu d'autres professions en français? Le boulanger, la boulangère. Le fermier, la fermière. Le musicien, la musicienne. Oui, tu as bien remarqué. Les noms de professions changent par rapport à leur genre. Mais il y a des noms de profession qui restent le même pour le féminin et pour le masculin. Par exemple, l'ingénieur, le professeur, le médecin. La règle générale nous dit que pour former le féminin du nom de profession, on ajoute au nom du masculin, un E à la fin. Exemple, au masculin employé, au féminin employé avec un E final. Ceux qui finissent en EUR au masculin, au féminin reçoivent EUSE. Exemple, vendeur, vendeuse. Ceux qui finissent en TEUR au féminin changent en TRICE. Acteur, actrice. Ceux qui finissent en ER au masculin, au féminin, changent E accent grave, RE. Exemple, infirmier, infirmière. Ceux qui finissent en IEN au masculin, au féminin, changent en IE, double N, E. Exemple, mécanicien, mécanicienne. Les noms de profession se terminant par E au masculin ne change pas au féminin. Par exemple, l'architecte, le peintre, la peintre, le journaliste, la journaliste, le vétérinaire, la vétérinaire, le secrétaire, la secrétaire, le photographe, la photographe, le pilote, la pilote. Maintenant, je te propose de retrouver la profession d'après le lieu de travail. Fais attention au genre. Ma mère travaille au théâtre. Elle est actrice. Ta sœur travaille au magasin. Elle est vendeuse. Sa tante travaille à l'hôpital. Elle est médecin. Notre voisine travaille dans un salon de beauté. Elle est coiffeuse. Super, avançons. Maintenant, tu as par trois phrases, élimine la phrase qui ne correspond pas au sujet de la profession. Il est docteur et travaille à l'hôpital. Michel est banquier. Il fait beau aujourd'hui. Oui, il fait beau aujourd'hui, il faut éliminer. Jean est professeur à l'université. Jean Renaud est acteur. Marie a un ordinateur.
la phrase qui ne correspond pas au sujet de la profession. Il est difficile d'être écrivain. Jean-Paul travaille comme journaliste. Ce monsieur est optimiste. Ce monsieur est optimiste ne correspond pas au sujet de la profession. Tu as raison. Voilà. Maintenant, regarde les images. Il lit. Il est médecin. Il travaille à l'hôpital. Il guérit les malades. Il est vendeur. Il travaille au marché aux fleurs. Il vend des fleurs. Il est pompier. Il lutte contre le feu. Il éteint les incendies. Bravo! Maintenant, je te propose un exercice de vrai ou faux. Lis les affirmations et choisis. Il travaille à l'hôpital. Il est docteur. C'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Il travaille à la banque. Il est professeur? Non, c'est faux. Cette personne travaille dans un journal. Il est vendeur? Non, bien sûr. Il écrit des romans et des nouvelles. Il est journaliste. Faux. Ce monsieur joue un rôle dans un film. Il est acteur? Oui, c'est vrai. Cette personne écrit des articles. Il est écrivain? Non, c'est faux. Tu as bien trouvé les réponses. Maintenant, c'est à toi de faire des phrases. La colonne de gauche. L'acteur, le chauffeur, le coiffeur, le cuisinier, le jardinier, le vétérinaire. Et la colonne de droite. Ce sont les activités. Soigne le jardin, plante des arbres, prépare des plats, soigne les cheveux et fait des coiffures, soigne les animaux, joue dans des spectacles et des films, conduit des bus, des voitures, des camions. Voyons. Oui, l'acteur joue dans des spectacles et des films. Le chauffeur conduit des bus, des voitures, des camions. Le coiffeur soigne les cheveux et fait des coiffures. Le cuisinier prépare des plats. Le jardinier soigne le jardin, plante des arbres. Le vétérinaire soigne les animaux. Bravo! Complète maintenant le dialogue avec tes réponses. Mon père est fermier. Il a une ferme. Et ton père, que fait-il? Mon père est vétérinaire. Il guérit les animaux. Ma mère est architecte. Et ta mère? Ma mère travaille dans une boulangerie. Elle est boulangère. Ma tante Dominica travaille dans une librairie. Elle vend des livres. Où travaille ta tante? Ma tante travaille dans une bibliothèque. Elle est bibliothécaire. Je veux devenir peintre. Et toi? Moi, j'aime beaucoup les animaux et je veux devenir vétérinaire comme mon père. Bravo! Tu veux devenir vétérinaire parce que tu aimes les animaux. Est-ce que ça suffit pour être vétérinaire ou il te faut encore d'autres qualités? Tu peux demander à ton père. J'espère que cette leçon sera utile pour toi. Je te dis à bientôt et bon courage.